voulions savoir maintenant. Eh bien, j'aimerais alors vous poser une question d'ordre privé maintenant, nous écartant un petit peu des sentiers battus, du cinéma, du théâtre. J'aimerais connaître vos goûts dans la vie. Enfin, j'aimerais savoir ce que vous préférez en dehors de votre métier, justement. Observer. Observer. Observer les individus. Et comment... Ça me passionne, ça fait partie un peu de ce métier. Oui, effectivement. Il faut avoir beaucoup de types dans sa tête pour pouvoir en mettre un peu au point. Ah, mais c'est très bien ce que vous dites là. Et alors, comment observez-vous le mieux? Racontez-moi. Non, pas au hasard de la rue. Au hasard de la rue. En baguenaudant comme ça. Mm-hmm. Oui. Ou alors dans les, je ne sais pas, moi, enfin dans les réceptions mondaines par exemple. Non. Non, vous n'y allez pas souvent. Oui, c'est pas très drôle ça. Ah, c'est pas drôle. Non, vous préférez observer. C'est s'écarter un peu du métier que d'aller là. Oui. Vous préférez observer la rue, la vie. Oui. Oui. Les individus. Oui, et c'est... en somme, vous faites une espèce de photographie, si je puis dire. Oui, hein, peut-être. Que vous reproduisez après. J'aime la marque d'abord, et on rencontre tellement de types. Mmh. Et vous essayez de reproduire les portraits que vous avez tirés au hasard de votre... Je ne sais pas, mais ça aide, c'est quelque chose. Hein? Oui, bien sûr. C'est une base. À cette époque de votre carrière, vous tourniez beaucoup de films. Vous avez tourné combien de films en combien de temps? En 8 mois, oui. J'ai tourné Hôtel du Nord, Le Jour se lève, Fric Frac, Circonstances atténuantes et Tempête sur Paris. Mais dites-moi, ça devait être épuisant. Non. C'est extraordinaire. Vous savez, les bons films, c'est jamais épuisant. Oui, bien sûr, mais enfin tout de même. Les tocards, oui. Bon, nous n'en parlerons pas. Ah non, cela. Ben non. Non, mais quand même, comment avez-vous fait? Parce qu'en plus, vous jouiez au théâtre. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous aviez été obligé d'abandonner. Non, je n'ai pas fait. Oui, d'accord. Vous étiez obligé de prendre un petit peu de temps libre pour vous consacrer absolument au cinéma, à la caméra. Mais enfin, quand même, j'imagine, 8 mois, 7 films. Oui. Vous savez que c'est un record. En effet, oui. Hein? C'est marqué, c'est un record enviable du reste, parce que vous avez fait vraiment de très très grands films. Bien, je partais bien et puis la guerre. Ah oui, ça, évidemment. Mais enfin, nous n'évoquerons pas cette période, nous ne sommes pas là pour parler de la guerre, nous sommes là pour parler de cinéma. Oui. Alors, après Le Jour se lève, vient dans ce calendrier très chargé, Fric Frac. Hein? Après Le Jour se lève, Fric Frac. Fric oui. Frac. Alors parlez-nous un petit peu de Fric Frac. Vous aviez joué la pièce. Oui, j'avais joué la pièce environ 500 fois avec Michel Simon. Nous nous retrouvions tous là. Fernandel remplaçait Victor Boucher. Remplacer, je ne peux pas dire remplacer, ils étaient... Oui, c'est d'autres choses, ils l'avaient transposé, dirons. Oui, exactement. Et là, j'ai fait la rencontre de Fernandel. À cette époque-là, l'époque de la femme que j'ai le plus aimée, vous faisiez du théâtre. Après. Oui, enfin. Après la femme que j'ai le plus aimée, en 1943, j'ai joué, repris plutôt, Voulez-vous jouer avec moi? Voilà. Et là, Vamparis avait ajouté deux chansons, plusieurs chansons même, deux pour moi, qui étaient Voulez-vous jouer avec moi et Faut pas dire A, Faut pas dire O. Ça me remettait dans mon ancien métier. Oui, parce que nous avons oublié, je crois, de le souligner tout à l'heure, enfin j'ai oublié, je dois faire un mort honorable, c'est que dans les revues, vous jouiez la comédie, bien sûr, mais vous chantiez aussi. Je chantais, je disais plutôt. Oui, enfin, je disais. Bon. La voix. Enfin, ça n'est pas difficile. On a utilisé votre voix dans d'autres circonstances, et notamment dans les circonstances atténuantes. Oui, vous chantiez vrai. Également. Un peu, oui. Hein? Ah si, vous chantiez même beaucoup, c'est oui, vous qui... Oui, par l'amour madame aussi. Oui, par l'amour madame, enfin, vous, oui. Ça c'est plus tard. Ça. Oui. Donc on a utilisé très souvent votre voix. Vous n'avez pas l'air d'en être satisfaite. Je n'aime pas beaucoup, j'aime pas m'entendre en tout cas. Ah non? Non. Ben écoutez, le public n'est pas de cet avis, le public aime bien votre voix, pourquoi? J'en aurais choisi une autre. En tout cas. Ah oui? Bon, eh bien alors je ne distrais pas. Alors revenons au cinéma, puisque nous avons évoqué maintenant le théâtre. Et là, nous allons parler d'un film très important, Les Visiteurs du Soir. Oui. Hein? Alors là, j'aimerais que vous nous disiez vos impressions sur Les Visiteurs du Soir. Eh bien, j'abordais là un genre nouveau, oui. Inattendu, parce que ce personnage de Dominique est un personnage diabolique. Féerique à la fois, poétique, un magnifique rôle pour une artiste. Oui, car je dois dire que, on n'a peut-être pas encore non plus assez souligné, vous avez une très très grande diversité de rôles dans tous vos films, et vous avez su les interpréter
en mettant à chaque fois une note personnelle, mais justement en donnant à chaque personnage, probablement c'est le fruit de vos observations, en donnant à chaque personnage un caractère essentiellement différent des autres personnages que vous aviez créés précédemment. Et ça, Arletty, c'est vraiment magnifique. Eh bien, ces auteurs me gâtaient aussi beaucoup. Car... Oui, peut-être, sans doute, à travers les auteurs, vous pouvez renouveler vos personnages, mais je crois que vous pouvez aussi les renouveler, surtout grâce à votre talent. Enfin, il faut bien le dire, tout de même. Hein. Et les images étaient tellement belles, les visiteurs, Hubert, c'était surpassé. Vous revenez aux visiteurs. Mais moi, je parle en ce moment, actuellement, de tous les personnages. Ah. Parce que je veux dire qu'entre l'Arletty de Hôtel du Nord, entre l'Arletty des visiteurs du soir, entre l'Arletty de Madame Sans Gêne, et puis l'Arletty de Gibier de Potence, de L'Amour Madame, que nous trouverons tout à l'heure, ben, je veux dire qu'il y a des différences essentielles. Oui, il y a un éventail de personnages. Voilà, exactement. Et c'est magnifique. J'ai eu la joie de les créer. Et alors, quand on examine la liste des films que vous avez tournés, on pourrait dire encore Carnet. Toujours oui. Carnet, car j'arrive aux Enfants du Paradis maintenant. Hein? Oui, je les Enfants du Paradis, oui. Bon. Vous n'avez pas fait de film marquant entre les visiteurs et les Enfants du Paradis. D'ailleurs, vous les avez tournés pratiquement l'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre. Oui, oui. Alors parlons tout de suite des Enfants du Paradis. J'avais peur de commettre une omission. Eh bien, les enfants, tout était joli dans les enfants pour moi. Toujours un rôle poétique, merveilleux. Autre chose encore. Autre chose, oui. Grâce à Prévert qui avait imaginé ce personnage. Carnet qui m'avait choisi. Hubert qui a fait de tellement jolies images, inoubliables pour tous, car nous avions tous de très beaux rôles, tous mes camarades. Et vraiment, c'est un des plus jolis rôles d'actrice. Il y en a peu qui aient eu un aussi joli rôle, une aussi jolie chance que ça. Le nom. C'est très Mon gentil nom de était le dire. Tellement beau. C'est très gentil de le dire. Et effectivement, Les Enfants du Paradis reste un grand classique, un grand chef-d'œuvre de l'écran français. Qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. La musique de Cosma est très belle, tout est très joli. C'est vraiment, oui, un très très beau film. Oui. Alors, là, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire, Arletty, que dans la série des films actuels, enfin, les films de maintenant, eh bien, j'ai une petite préférence pour Gibier de Potence. Moi aussi. Ah, ben alors, nos goûts concordent. C'est un préféré. Vous avez là un rôle difficile, délicat même, oui. dont vous vous êtes tiré comme toujours à merveille, mais ce film est particulièrement réussi. Ça apporte Marshall quelque chose. Remarquable là-dedans. Ce sont plus beaux rôles. Vous aussi, vous êtes remarquable. si, sincèrement. Non, vraiment, c'est un film très intéressant parce que il était assez audacieux, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'était assez audacieux de traiter un sujet comme celui-là. Oui, c'était très délicat. Et vraiment, le réalisateur, Richebey, s'en est tiré avec les honneurs. Beaucoup de tact. Avec beaucoup de tact. Alors, quelles ont été vos impressions avec ces premiers contacts dans les studios? Est-ce que tout de même ça vous a apporté pour vous, pour votre manière de jouer, pour votre... comment dirais-je, votre sensibilité d'artiste, de nouvelles émotions, ou est-ce que vous vous êtes senti d'emblée... Non, la mécanique m'a plu. La mécanique vous a plu. D'abord, ça enlève tout trac, ça isole de tout, c'est beaucoup mieux, ce n'est pas comme au théâtre où j'ai tous les soirs le trac, maladivement. Je ne joue pas parce que j'ai le trac même, c'est une preuve. Ah bon? Et tandis que le cinéma, la mécanique, tout ça me plaît, voir les machinistes, tout ça, c'est très rigolo. C'est... cette espèce de travail d'équipe, c'est un petit famille. Un contact très rigolo. Oui, ça vous a plu. Oui. En somme, vous venez de répondre par avance à la question traditionnelle, est-ce que vous préférez le théâtre au cinéma? Oui, vous préférez le cinéma au théâtre. J'adore l'un et j'aime l'autre. Oui, d'accord, mais voilà. Vous vous sentez plus à l'aise au cinéma? Je crois. Bon, alors, dans Pension Mimosa, quel était votre rôle? Rappelez-le-nous rapidement. Vous savez, la parachutiste. Oui. C'est ça, la parachutiste. Moi, je n'en ai pas d'autre chose. Vous n'avez pas d'autres souvenirs précis. Non. Enfin, tout de même, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Feder. C'était très agréable d'être dirigé par cet homme-là. Oui, n'est-ce pas. Et puis, est-ce que vous aviez eu contact avant avec Françoise Rosé? Est-ce que c'était la première fois? Non, je l'ai connue là. Vous l'avez connue là. Oui. Je pense que c'était aussi également très agréable d'être avec elle. Certainement très agréable, oui, c'est vrai. Bon, alors, vous, est-ce que vous avez continué le théâtre oui. Là, à ce moment-là, après Pension Mimosa, j'ai continué les revues, naturellement, des revues de RIP surtout. Et ensuite, j'ai donc créé cette chose de Cocteau, la matrone d'Éphèse, et puis Fric Frac. On en parlait tout à l'heure, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus en détail de ces revues de RIP. J'aimerais que vous les évoquiez un petit peu
parce que certains d'entre nous les ont connus, mais d'autres ne savent pas. Oui, c'est déjà très loin. Et puis, ça n'est plus à la mode, la revue. Pas cette sorte de revue. Mm-hmm. Il y a maintenant des revues avec des comme le Lido, des spectacles. Ah oui, autre chose. Mais ça, c'était absolument spirituel. C'était la revue d'actualité. Ah oui, et puis Rip était l'homme vraiment le plus spirituel de son époque. Oui, je crois. Je crois qu'effectivement, avec Rip, ce genre de spectacle s'est éteint et on n'a pas pu refaire. Alors, c'était un grand plaisir de jouer ça. Les costumes étaient jolis, ça flattait, tout était joli, c'était varié. On jouait plusieurs personnages dans la même soirée. Mm-hmm. C'est très amusant. Et combien y avait-il de revues de Rip dans l'année à peu près? Il y en avait souvent. Une revue en général. Vous étiez toutes. Presque, pendant des années. Mais j'imagine une très très grande joie, effectivement. C'est très amusant. D'interpréter les différents rôles que l'actualité mettait à votre disposition par l'intermédiaire de Rick. C'est vrai. Bon, et bien maintenant, revenons au cinéma. Donc, après Pension Mimosa, vous avez eu contact, je crois, avec Sacha Guitry. Oui, pour Les Perles de la Couronne. Ah, alors, parlez-nous un petit peu des Perles de la Couronne, parlez-nous de vos impressions. J'ai joué du reste aussi Désiré de lui au cinéma. Oui, oui. Désiré et Les Perles de la Couronne, où j'avais un rôle très amusant, cette reine d'Abyssinie, mmh. C'était très drôle. Mmh. C'était très court, ça, je ne sais pas, j'ai peut-être tourné deux jours. Ah oui, mais dans les films de Sacha Guitry, ça devient une habitude, n'est-ce pas? C'est devenu une habitude. Oui. Les plus grands acteurs ont des petits rôles. Mais j'étais la Perle Noire et c'était vraiment un ravissant rôle. Bon. Très original, surtout.